Eh bien, bonsoir à tous, ici Daramenel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Donc, je sais que ça fait un moment que je suis pas sorti de vidéo, mais j'ai pas eu trop de temps justement pour sortir de vidéo. J'avais pas mal de choses à faire. Donc, déjà, premièrement, comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai mis une petite musique de fond que j'ai trouvée assez rapidement. C'est justement pour justement mettre une musique sur certains moments où le son du jeu a décidé de se couper, comme je l'ai dit d'ailleurs dans une autre vidéo. Le son du jeu se coupe des fois, donc voilà, j'ai décidé de mettre une petite musique par-dessus que je vais pas mettre trop forte. Je pense que l'intérêt de la vidéo c'est pas d'entendre la musique, mais plutôt le gameplay et ma voix. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau du titre de la vidéo, ce sera un titre peut-être que certaines personnes ne vont pas trop comprendre, qui est les bases c'était mieux avant. Donc pour l'interrogation, hein, ce n'est pas une affirmation, puisque justement il y a eu, c'était quelque chose dans lequel j'étais très, j'étais un peu sûr en fait que les bases c'était mieux avant, mais ces derniers jours ça a un peu changé. C'est pour ça que j'ai hésité à peut-être repousser cette vidéo, mais finalement je vais la sortir. J'avais envie de faire une vidéo, ça faisait un petit moment que j'ai envie d'en faire une. Donc voilà, donc là je suis en train d'ouvrir une base, il y a un des potes de son alliance qui passe à côté de moi. Donc je me suis dit ça y est, c'est fini pour moi, je me suis dit c'est lui. Mais non, donc les bases c'était mieux avant. Pourquoi pourquoi pas, hein. Peut-être qu'il n'y a aucun rapport, peut-être que cette affirmation est totalement fausse. Mais je vais dire pourquoi j'étais très convaincu de cette affirmation justement il y a quelques jours, et que ces temps-ci, ces 2-3 derniers jours justement où je me suis dit il faut que je ressorte une vidéo, j'étais pas aussi sûr que ça finalement. Donc la raison pour laquelle j'étais sûr de ça, c'est que ça fait un petit moment. Alors moi j'adore être des bases, vraiment j'adore, d'ailleurs on peut le voir dans le classement des ressources pillées, je suis pas loin du top 100, je crois que je suis juste au-dessus. Il faudrait que je re-regarde. D'ailleurs, je vais regarder maintenant. Maintenant, en même temps que je fais la vidéo. Je vais regarder maintenant. Voir combien de thèmes je suis. Je pense que je suis à peu près dans les 150. Voilà. Quelque chose du style. Et du coup, ce que je faisais, c'est que, voilà, peut-être deux fois par semaine, le soir, j'allais justement faire le tour un peu de la galaxie et regarder si je pouvais trouver. Si je pouvais trouver justement des bases en fait, qu'elles soient avec un shield ou pas. Donc voilà, juste pour l'information, je suis 108ème. Donc voilà, c'est raisonnable, hein, 108ème. Ça montre que voilà, j'attaque pas mal quand même. Hein. 22 millions de ressources pillées. Et ça c'est seulement avec un envoy, comme vous pouvez le voir. Enfin vous pouvez le voir, il y a une double vidéo, un autre après gameplay. Avec double envoy, mais... qui n'aura pas été une grande réussite malheureusement. qu'est-ce que je voulais dire? Donc TDU qui décide de m'attaquer, hein. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Juste pour montrer la présence. Donc pourquoi les bases, je considère ça comme mieux avant peut-être, jusqu'à un certain stade. Si on reprend, on va dire, au tout début du jeu. Tout début du jeu dans le sens où voilà, le jeu a 6 mois. Hein. Et ben, déjà avec l'Alliance, on se partageait beaucoup plus de bases. Et, alors ça, on se partageait beaucoup plus de bases. Ce qui montrait qu'en fait, il y avait bien plus de bases qui étaient trouvables. Et maintenant, moi-même, je remarque que c'est bien plus difficile de trouver des bases. Soit parce que justement, à mon niveau, elles ont que du parstyle. Vous pourrez voir, peut-être qu'on verra dans le gameplay d'après. Ah, on verra pas, mais là, en ce moment, j'ai... 25 millions de parstyles. Alors j'ai aussi acheté un pack d'avril parce que c'est des packs, vous savez, qui ce qui m'intéresse c'est pas le pack en lui-même, c'est les jetons qui offrent, qui font que chaque jour on peut obtenir des récompenses assez insane, hein, pas se mentir, hein, c'est des sacrées récompenses qu'on obtient chaque jour, hein, ça part de sur les 500 000 de parstyles et du 100 000 de tritanium. Et c'est pour ça que effectivement j'ai acheté ce pack, c'est pas réellement pour les 7 millions de parstyles qu'il me donne, mais c'est surtout pour ses récompenses quotidiennes en fait. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que en fait
Les bases avant, on pouvait en trouver déjà bien plus facilement, puisque les shields, c'était pas quelque chose que. C'était quelque chose qui devait rentrer dans la tête des gens, ce qui veut dire que en fait les personnes au début avaient un peu plus de peine à se dire il faut que je mette un shield. Donc on pouvait, si on passait un peu de temps bien sûr, à chercher des bases, on pouvait relativement en trouver rapidement, donc c'est-à-dire qu'on pouvait facilement trouver une base peut-être. On peut facilement prendre du temps. Tu peux prendre une heure peut-être à trouver une base, un peu moins 30 minutes si t'as de la chance. Vous allez me dire que c'est incroyable, mais bien sûr quand je fais ça, je suis pas collé sur mon jeu, peut-être souvent je regarde une série ou autre chose. Donc en soi, les 1 heure que je prends, si j'étais totalement concentré, ben ça pourrait me prendre 30 minutes, mais j'ai pas envie de passer 30 minutes non-stop à chercher des bases. J'ai pas envie de faire surchauffer mon cerveau. Et la chose qui est arrivée, c'est que maintenant, les shields justement ont pris leur vraie valeur. Ce qui veut dire qu'il y a, alors à mon avis, il y a tout autant de bases, on va dire, avec les mêmes ressources qu'avant en fait. Hein. C'est pas parce que le jeu avance qu'il y a moins de ressources. Les ressources ne se perdent pas, au contraire, les ressources augmentent, puisque le niveau des joueurs augmente et donc forcément bah, tout coûte plus cher. Donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de ressources sur le jeu, mais il y en a moins en moins, puisque en fait bah, les personnes, comme leur niveau augmente, et que le mien augmente, ce qui veut dire que je peux plus taper du petit niveau 16, du niveau 15, les personnes qui ne savent pas qu'il faut mettre un shield. Je peux plus taper ces personnes, donc c'est là qu'il faut faire gaffe. C'est pas que le jeu devient moins bien, on va dire, au niveau de la capacité à raid des bases. C'est que notre capacité à raid des bases baisse du fait que les joueurs sont plus intelligents, on va dire. Et d'ailleurs, pourquoi il y a une raison à laquelle j'ai mis ce gameplay en fond, c'est que donc dans cette première partie, j'ai un peu parlé des ressources. Les ressources qui sont bien plus difficiles à avoir sur les bases. Il y a des ressources quand même qui sont... Bah, voilà, je voulais faire une autre vidéo pour montrer comment se faire comment se faire des ressources très rapidement. Ouais, d'ailleurs, mon bouclier de paix va bientôt expirer. Je viens de recevoir la notification. Donc pourquoi les ressources... Alors, je sais plus ce que j'ai dit du coup, mais... voilà, il y a une partie... qui est, voilà, je voulais faire une vidéo sur comment avoir des ressources très rapidement en fait en tapant plusieurs petites bases, et je me suis rendu compte qu'en fait au final les ressources c'était que du par style. Donc je me suis dit que en fait ça devenait même pas intéressant de sortir cette vidéo tout de suite. Je la sortirai peut-être dans un petit moment quand vraiment j'aurai besoin de ressources, parce que le par style j'en ai juste tellement pas besoin en ce moment. Mais je sais que, voilà, avec des discussions avec Napoléon, qui est le deuxième du serveur, qui est dans l'Alliance, le par-style prend une grande valeur à haut niveau, et le Tritanium perd de sa valeur un peu. Ce que j'ai trouvé assez ironique, puisque finalement, au début du jeu, eh bien, effectivement, au début du jeu, je me rappelle plus trop, mais... Ouais, le par-style avait déjà... pas beaucoup d'importance, on pouvait en avoir facilement. Là, on arrive à l'apogée du par-style, j'en ai trop. Et le Tritanium, bah, on est arrivé malheureusement au contraire de son apogée, j'ai pas le mot. Le Tritanium devient une ressource bien, bien rare. Et notamment avec le déblocage du North Star que j'ai fait il y a quelques temps, il y a peut-être une semaine, et bien j'ai dépensé plus de 6 millions de ressources en Tritanium. Pour justement l'augmenter de peut-être 20 000 de puissance, à peu près, même moins de 20 000 de puissance. Donc c'est dommage, c'est dommage. Les ressources en Tritanium sont bien dures à avoir. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, au final, plus on va monter dans les niveaux, plus le Tritanium aura perdu de sa valeur, plutôt pas, il aura repris de la valeur, il a perdu de sa valeur, et le Parsil il aura du coup pris de la valeur, le Parsil, il sera une ressource bien plus importante. Donc, aussi, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce gameplay? On peut voir un gameplay où il y avait un des TDU qui voulait justement m'attaquer, ensuite un CZSK niveau 26 qui voulait m'attaquer. Le TDU qui voulait aussi piquer de mes ressources. Et donc c'est là que je trouve qu'en fait ça c'était un de mes meilleurs gameplay, dans le sens où quand j'ai fait cette base,
j'ai pris beaucoup de plaisir. Parce que je devais gérer mon Envoy, je devais gérer mon Kera, je devais gérer le TDU, je devais gérer le CZSK. Et c'est là vraiment pendant cette base que je me suis dit vraiment c'est ça que ça devrait être les bases. Ça devrait être quelque chose de stressant, pas juste des allers-retours pendant des heures. Hein. Quand on avait vidé une base, la base à 30 millions, on avait eu pour à peu près une heure. Une heure et ça c'est avec 3 envoys. On a eu pour une heure, donc ça devrait pas être ça une base. Pour moi ça devrait être une base, ça devrait vraiment être quelque chose voilà où tu ouvres la base, il y a des autres alliances qui veulent se ramener, d'autres qui veulent te péter au même moment. Pour moi ça devrait être ça une base. Mais c'est ça, c'est que justement il faut je pense laisser le temps un peu au jeu, qui change un peu quelques aspects du gameplay pour rendre plus intéressant. Justement même aussi au niveau des vaisseaux, des commandes de vaisseaux, en soi c'est juste aller dessus, taper, appuyer sur le bouton attaquer, repartir. C'est dommage, il n'y a pas de réel contenu là-dedans, alors que c'est vraiment un des points voilà, qu'on me dit, voilà, tu peux avoir un vaisseau spatial et faire des combats à travers l'univers. Je me voyais pas juste appuyer sur un bouton attaquer. Mais bon, il faut laisser le temps au temps. Hein, comme je dis, ça fait seulement 6 mois que ce jeu est sorti. On peut pas trop brusquer les développeurs. Ils font beaucoup de travail. Et d'ailleurs, ils ont sorti une nouvelle mise à jour. Tout le monde pense que c'est une faction. Je ne sais pas exactement si c'est une faction. Hein, donc c'est l'équipage alors de Khan, justement. Il me semble que c'est Khan, son nom. Donc l'humain modifié, si vous avez regardé un peu les Star Trek. Voilà, il faudrait que je fasse peut-être une vidéo là-dessus, parce que si on fait des liens avec le film, cette faction serait peut-être... cette potentielle faction, je ne suis pas sûr que ce soit une faction. Pour moi, il n'y a pas assez d'équipage là-dedans pour que ce soit une faction à eux-mêmes. Mais peut-être que c'en est une, on n'a pas réellement plus d'informations pour le moment. Mais cette potentielle faction serait justement très très forte, vu qu'elle aurait un vaisseau qui... battrait n'importe lesquels sur le serveur. Si vous avez regardé ce Star Trek, je sais plus lequel de Star Trek c'est, vous pouvez facilement le retrouver. Hein. Donc voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. Pour résumer, les bases, voilà, c'était pas mieux avant. C'est juste qu'en fait, au final, je me suis rendu compte que plus tu montes dans les niveaux, moins tu peux taper des bas niveaux. Et les bas niveaux, ben, ceux qui ressortent avec leurs ressources finalement et qui ne mettent pas de shield. Donc tu en trouves plus difficilement. Enfin tu en trouves plus en fait. C'est plus possible pour moi, niveau 22, de taper en dessous de niveau 17. Et au niveau 17, les gens ont compris qu'il fallait mettre des shields. Donc en soi, voilà, les bases ne sont pas moins bien. C'est juste que les joueurs sont plus intelligents. Ça pourrait être la belle phrase philosophique qu'on pourrait finalement ressortir de ça en fait. Mais bon, en ce moment, ce qu'il me faut de toute façon, c'est trouver justement la base parfaite avec du Tritanium. Et ça, je me suis rendu compte qu'au final, ben, comme l'a dit Napoléon, plus on monte dans les niveaux, plus le Tritanium perd de sa valeur. Et plus il est facile d'en trouver. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hâte de passer peut-être niveau 24 sous peu. Enfin, 24 déjà, passons par le niveau 23. Parce que j'ai trouvé plein de bases à niveau 23 et j'arrive pas à passer dessus avec mon Envoy. Et elles sont gorgées de Tritanium. Donc j'espère vite passer ce niveau 22 pour arriver au niveau... Alors bien évidemment 23 puis 24. Je suis en route d'ailleurs bientôt pour le niveau 23. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Daramenel sur Star Trek Fleet Command.